Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne, ça fait plaisir, comme de bien entendu, hein. Oui, on change pas l'équipe qui gagne, hein. Franchement, je vous garantis, ça m'a pris un petit peu de temps à la faire, parce que il faut vraiment que je trouve un peu le sujet de la vidéo, bien sûr, hein. On va parler un petit peu de l'ère de l'industrialisation, surtout en éclairage public, parce que voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup parlé dans certains documents, surtout des catalogues, on va utiliser Mazda aujourd'hui, bien sûr, hein. Surtout sur l'éclairage en général, parce que c'est vrai que Mazda, sans dire, un bon prototype. Parce qu'en fait, de base, je voulais essayer sur Holophane. Bon, Holophane, on connaît, hein, c'est à peu près la même chose, mais bon, c'est différent. Mais pourquoi pas faire une deuxième vidéo sur ça, si ça vous plaît, justement, sur l'industrialisation d'une marque. Pour ça, on va parler aujourd'hui Mazda, parce que c'est un très bon exemple. Grâce à Projet Luc, bien sûr. Et donc, du coup, on va pouvoir voir un peu l'avancée. Donc, bien sûr, une décennie. Donc, chaque décennie, je vais pas faire toutes les années, hein. Je vais faire, là, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, hein, jusqu'à la fin de Mazda, bien sûr. Mais, justement, je vais vous montrer... Bon, déjà, on va voir l'épaisseur du catalogue. On va pas voir le contenu. Mais je vais vous expliquer, en gros, à peu près ce qu'il y a dedans. Avec le quantité de pages en général et surtout la quantité de luminaires s'il y a dans les années 50-60, bon, on le sait, mais on va dire proprement parler de l'industrialisation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en général. Parce que c'est vrai que Mazda, ça fait une bonne partie, parce que dans les années 50, il n'y avait qu'un Franor et Mazda, c'est tout. Et après, dans les années 60-70, on a eu Projet Luxe, on a eu Lita, on a eu machin, on a eu Vers Lumière, tous ces bordels-là, Norca, tout ça. Franchement, voilà, ce qui fait, c'est que ça peut être un bon sujet de vidéo aussi pour la prochaine, qui ça sera peut-être Holophane. On le fera, c'est vrai, j'ai à peu près tout, hein, chez Holophane. J'ai, bon, le catalogue des années 50, je l'ai pas, mais j'ai 60, j'ai 70, j'ai 80, j'ai 90. Bon. Oh oui, on va dire 80, hein. 90, on verra, parce que 92, après, c'est 30, donc voilà, on fera vraiment donc 60, 70, 80, les 30 glorieuses, on n'a pas 30 glorieuses, mais 3 décennies, et on va voir à peu près la rapidité, justement, de l'industrialisation chez Holophane, parce que Holophane, c'est que sur les clashs publics, c'est normal. Bref, donc du coup, on va pouvoir commencer, donc on va commencer tout petit avec, bien sûr, les années 50. Franchement, j'ai fait mon petit tri, ma petite playlist de catalogue. On va commencer par celui-là, donc le petit 1955-1956. Il est vraiment tout fin, oui, il y a quoi, il y a à peu près facilement 40 pages, hein. C'est vraiment petit, c'est vraiment bien. Alors dedans, franchement, c'est ça qui est dingue, c'est vraiment, il y a de tout dedans, hein. Faut penser quand même qu'il y a beaucoup, pas mal de lampes, hein. Par exemple, il y a lampe à décharge, il y a à peu près... Ah oui, c'est par partition, c'est vrai, c'est vraiment de la merde ce truc-là. Ah non, c'est pas partition, c'est vraiment le nombre de pages. Ouais, il y a à peu près, on va dire, 22 pages, à peu près 22 pages de lampe. C'est pas grand-chose, hein. 22 pages de lampe, bon, c'est surtout de l'incandescente, hein. Franchement, si je regarde, lampe à décharge, clair, les flammes, grillons, linolite, masse d'assol, parasite... Les perles, les sphères avec les tubes. Après, on a, par exemple, ça fait que 5 pages, les incandescentes. Hein, vous imaginez? C'est pas grand-chose. Après, il y a toutes les versions, les générations. Mais après, on a, par exemple, les lampes à décharge. Donc, mercure, sodium. C'est que 2 pages. Si c'est 7, c'est que 2 pages. Ouais, faut dire, dans les années 50, on n'avait pas la SHP. Le sodium, c'est plus le sodium basse pression, hein, je vous le dis. Un peu plus en détail. Non, franchement, il n'y a que 2 pages. Et puis après, des 8 à 11, donc 3 pages, de lampes à décharge, de tubes fluo. De tubes fluo. Donc là, après, il y a les années cliniques, les pareillages, les applis cliniques, l'humain. Bon, après, il y a tout le bazar. Mais franchement, ce qui fait, c'est que c'est vraiment pas grand chose. Et puis de. Alors, pareil, par contre, l'appareil, c'est différent. Ce qui est à peu près toutes les pages. Et à peu près, on va dire, de 19 à... Ah, d'accord, ok, il y a plusieurs pages. En fait, c'est pas dans l'ordre. Ah ouais, d'accord. Ok, donc il y a plusieurs pages. Et je pense qu'il y a à peu près, facilement, on va dire, 5, 6 pages, même pas 4, 5 pages de luminaire. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il y a surtout les projos. Mais bon, on va regarder, donc là, par exemple, les fameuses 2 pages. Voilà, ça, c'est lampe à décharge, voilà. C'est rapide et...
efficace, hein. Après, il y a les bâches de douille, mais après, les réglettes, hein, bien sûr. Les réglettes, par contre, ça date de vieux, ça, les réglettes, les plafonniers, hein. Parce que ça date de... Je sais pas, ça date vraiment de quand, ça, les réglettes, dans les années 40, je pense. Bon, bien sûr, avant, ils devaient pas en avoir, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de fil fluo, dans les années 30, surtout. Mais, ouais, par exemple, là, on a une page, deux pages, là. On a deux pages, on a une page sur les Reflectolux, hein. On a une plage sur les Infranor. Il n'y avait pas grand-chose en Infranor à l'époque. On a sur les Projo, donc tout ce qui est Projo, Mazda, Philips. Mazda. Pas Philips, hein, surtout. Mais non, franchement, il n'y a pas grand-chose. Après, on a par exemple là un autre Projo, des petits Projo industriels, machin. Et puis, c'est tout. Après, sinon, vraiment, là, c'est pas grand-chose, c'est de la pacotille en fait. Hein. Donc, vous voyez, ce qu'il fait, c'est que dans les années 50, c'est juste après-guerre, donc du coup, on n'avait pas. C'est pas qu'on n'avait pas l'argent, c'est que si on n'avait pas l'argent parce qu'il aurait fallu reconstruire la France après-guerre, parce que 55, ça fait à peu près 10 ans après la guerre, donc du coup, il n'y avait pas d'argent beaucoup pour relancer l'économie française. Donc du coup, on passait 10 ans après, donc dans la deuxième, l'autre décennie, en 67. Donc là, on le voit, le catalogue, il est un petit peu plus épais déjà. Plus épais, bah, par contre, la page de celui-là, il est toujours décollé, faut que je la recolle. Donc du coup, là-dedans, dans celui-là, c'est la même chose, hein. Donc tu l'as, donc là par exemple on a lampe et appareillage, hein. Ça change pas, les gagnent. Donc là, voilà, donc ah là c'est bien, c'est dans l'ordre. C'est ça qui est bien. Donc là par exemple on a de la page 4, de la page 4 à 27, c'est que des lampes. Des lampes, c'est que des lampes. Après nous avons tout ce qui est lampe à décharge. Ah si, pareil. Les lampes à décharge et tout ça, parce que les autres c'est standard et tout ça, halogène, miniature. Ah, les halogènes existaient déjà dans les années 60. Les lampes à décharge, appareils d'alimentation et lampes à rayonnement spéciaux, de 28 à 36. Et de 37 à 48, c'est plus l'éclairage. Sauf hein, que dedans, l'appareil. Ah, ok, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Donc là, généralement, il y a beaucoup de lampes. Hein, parce que Mazda de base, c'est les lampes. Hein, c'est pas vraiment. Hein. Par contre, dans les années 60, c'est vrai, je montre le 67, parce que c'est mon préféré. Mais de base, généralement, en gros, en 62, il n'y avait que deux luminaires. Hein. Il y avait la ROV et puis la REM 75. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas grand-chose. Et avant, dans les années 50, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de luminaire d'éclairage public. Si vous imaginez, bah, si, il y avait la REM 75, mais c'était différent. Par contre, dans les années 60, surtout en 67, j'ai choisi 67 parce que c'est vraiment l'apparition de projet luxe chez Mazda, et donc du coup il faut marquer le coup avec celui-là. Donc là je suis en train de chercher, bon il y a les réglettes étanches projet luxe. Alors bien sûr, bon, bien sûr je vais faire la page. Par exemple il y a une page de Reflectolux. Bon, après c'est ah j'ai déjà vu ça quelque part, moi je regarde. Alors par contre les Reflectolux, il y a une page, bon, la recto verso elle est deux pages, hein. Comme ça par exemple là, donc ça c'est une page pour moi. Donc là, une page d'Infranor. Ah non, deux pages d'Infranor. Après. Ah, chaîne. Je crois que c'était fini. Après, non, elle n'avait pas. Donc déjà, on a un luminaire en 67. On a l'ROV, donc ça en fait deux. Trois, la AS. Et puis, c'est tout. Ouais, puis après, il y a les réglettes étanches et tout ça. Donc, on va dire, les luminaires qu'on a, il y a deux de chez Projet Lux et une de chez Mazda. Je pense que la ROV c'est un frein nord. Mais voilà. Donc ce qui fait c'est que voilà, il n'y avait pas grand-chose. Bon, beaucoup de lampes. L'industrialisation des lampes faisait surface. Et en 67, il y avait l'apparition de la SHP qui commence à arriver. Mais voilà, donc on voit que le catalogue il est plus épais et on va dire plus garni. C'est pareil aussi l'industrialisation aussi des catalogues. Parce qu'il faut penser que dans les années 50-60, il y avait beaucoup de noir et blanc. Puis après, ça arrivait la couleur. Ça devait coûter un rein. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur l'estimation d'un prix de catalogue. Mais franchement, je vous garantis que dans les années 50 à 60, en l'espace de 10 ans de temps, on passe d'un machin à 40 pages à combien de pages à peu près? Je sais pas, il y a à peu près 152 pages. Ça va, il n'y a que 3 luminaires dedans. Donc voilà, ce qu'il fait, c'est qu'on voit déjà qu'il y a une surproduction de lampes, de beaucoup de choses différentes, des nouveaux luminaires, des nouveaux plafonniers, des nouveaux. Bref, un peu tout de nouveau. Bien sûr, c'est toujours les 30 Glorieuses. C'est dans les années 70, à la fin des 30 Glorieuses, qu'apparaît le gros boom, le gros truc de taré,
C'est justement après la crise économique, la crise monétaire de 71, d'où les vaches maigres, VM et compagnie, on ne va pas s'en charger, on va faire ça dans une autre vidéo. Mais c'est à partir de 71 que là, il fallait produire. Et c'est à partir de 70 qu'on trouve, bien sûr, bon là c'est Mazda, rien que la partie éclairage extérieur, c'est une dinguerie. La partie éclairage extérieur est aussi épais que le Mazda 67 en question, sauf que là c'est que l'éclairage extérieur. Et là, bien sûr, Projet Luxe a fait son essor de taré. Et il y a quasiment facilement, oui, c'est ça, il y a 123 pages de luminaires d'éclairage public. Donc là, bien sûr, on a les grands classiques. Bon, je ne vais pas revenir sur les luminaires qu'il y a dedans. Mais il y a, bon, il y a les popoles aussi quand même dedans un peu. Non, il n'y a pas les popoles dedans. Donc là, je ne sais pas, il y a combien de luminaires en tout dans le truc. Parce que j'ai pas... Bah, je suis con, c'est, je viens de regarder. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah non. Bon, les solaires, on va compter qu'un seul. Aussi, on va compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Oh. Il y a à peu près une quarantaine de luminaires. Je vais pas tout faire en gros parce que sinon, c'est rapide. C'est long. Une quarantaine de luminaires en 76. Et c'est que l'éclairage extérieur. Oui, tu comprends, c'est que l'éclairage extérieur, on va voir le complet. Bon. Sachez que dans les années 70, il n'y avait plus de gros catalogue complet. Il y avait que l'éclairage extérieur ou le Mazda Guide. Le Mazda Guide en 79. C'est récent. Il est épais. Bon, ah, par contre, celui-là, il n'a pas 100, 123 pages. Celui-là, il en a 320 des pages. Donc, on voit déjà la différence de 320 pages. Et là, dedans, on a tout l'industrialisation, donc c'est-à-dire les lampes à décharge, les lampes à flux compact, les tubes à décharge, les machins, les réglettes, les ballasts, les machins qu'on trouve bizarrement qu'on connaissait pas avant. Genre des trucs, par exemple, les fluorettes, les encastrés. Bon, certains trucs que vraiment on se demande pourquoi que c'est là en fait. Par exemple, l'éclairage des hôpitaux, les plafonniers en réglettes, sous plainte, des trucs ATX, bon, les réflectolux, c'est un grand classique. Les toucans, ça c'était connu, c'était pas connu à l'époque. Hein. Les wide-light, spécialité Lita, hein, bien sûr, oui, c'est Lita, c'est wide-light, c'est Lita. Donc du coup, on commence à avoir du Lita. Mais si, il y en avait déjà en 70 du Lita, je suis con. Donc du coup, on a l'apparition de Lita dans les catalogues. Donc du coup, ça fait une grosse quantité de pages. Et ça qui est bien, parce qu'en fait, dans le catalogue, il y a, on va dire, la quantité. Donc, ce qui est vert, c'est l'éclairage public, l'éclairage extérieur. Le rouge, c'est l'ITA. Le bleu, c'est l'industriel. Et tout ce qui est avant, c'est les popoules. Et donc, du coup, on voit qu'en fait, il y a plus de choix en 70. C'est vraiment, vous imaginez. Bon, bien sûr, c'est l'époque aussi des lumières carénées. Bon, ça, on va pas chercher midi 14h. On a fait une vidéo là-dessus. Je suis pas sûr, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit que dans les années 70, là, directement. À la fin des Trente Glorieuses, il faut les produire. Hein. C'est pas comme actuellement, avec justement les réductions de matières premières un peu en Chine, tout le bazar. Hein. Vous avez vu, l'année dernière, ça parlait un petit peu vite fait. Mais là, franchement, ça commence un peu à revenir. Mais c'était le gros agua. Hein. Il fallait les commander 5 ans après le machin. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 70, ça produisait beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on voit des années 50, on avait 40 pages. Et puis maintenant, au Mazda Guide 79, on avait 300 pages. Ça change. Voilà un peu le truc. Après, nous avons les années 80. Donc là, je vais vous montrer le Mazda traditionnel. Bon, celui-là, je ne l'ai pas scanné, excusez-moi. Hein. Le Mazda 83, celui-là. Donc c'est pareil avec la partition. Par contre, là, c'est spécial. Voilà, on le voit un petit peu. La partition, voilà, Mazda éclairage extérieur, qui est par contre en rouge, cette fois-ci. Vert, c'est Lita. Et bleu, c'est tout ce qui est projecteur. Mais le catalogue en éclairage extérieur, il fait quand même 223, 224 pages, en gros, alors que l'autre, il faisait 123 pages. C'est-à-dire que là, rien qu'en éclairage extérieur, on a gagné une bonne grosse quantité de pages, quasiment 100 pages en plus. Rien que pour l'éclairage extérieur. Vous imaginez, et que ça a à peu près que moins de 10 ans. Hein. Donc on voit l'avancement. Donc il y a eu beaucoup aussi Lita qui a participé. En 76, il n'y avait pas Lita. Donc du coup, là, en fait, le 476, c'est pas Mazda, c'est plutôt Projet Luxe, le 76. Mais par contre, celui-là, là, il y a du Lita dedans, mais de l'éclairage extérieur. Donc ça, qu'on dit déjà, il y a une nouvelle chose qui est arrivée. Les rachats aussi, les fameux rachats. Là, en 83,
Il y avait l'UTA, mais il n'y avait pas Vert-Lumière. Et Vert-Lumière, c'est de l'architectural, donc c'est différent. Mais par contre, en 83, justement la même année, le petit Mazda Guide de 83, voilà. Là, par contre, on tape sur du violent. Là, par contre, on monte quand même facilement quasiment 500 pages. Le catalogue Mazda Guide. Bon, bien sûr, traditionnellement, toujours les poupoules, les plafonniers, les trucs d'hôpitaux, les litas, les trucs industriels. Voilà, donc du coup, on voit que là, on commence à monter sur du 400-500 pages. Que sur une marque. Vous imaginez que là, on commence à monter petit à petit en crescendo. Et c'est simplement petit rachat de certains trucs. Petit rachat de certains trucs. Et on a un peu remarqué, de toute façon, quand c'est arrivé le projet luxe, ça a commencé à monter. Mais je suis sûr que même avec projet, sans projet luxe, je suis sûr que le catalogue, il aura un peu épaissi. Mais qu'en lampe, bien sûr. Mais franchement, là-dedans, on trouve vraiment le grand classique. Mais c'est pas tout. Et là, on va monter en 90. Quasiment 10 ans après. Et là, en 90, bon, bien sûr, il n'y a plus de Mazda vraiment traditionnel, l'éclairage extérieur. C'est que des Mazda guides. Le Mazda Guide, j'ai pris celui-là, le 90, pourquoi? Parce que le 90, il a une particularité, moi c'est mon préféré. Après, bon, après c'est tous mes préférés, hein, je vous le cache pas. Mais le 90, on a vraiment tout. Donc là, on a, on va dire, les poupoules, on a les poupoules extérieures, les flots compacts, les décharges, les plafonniers intérieurs, on a l'industriel, on a l'extérieur, l'ITA et l'extérieur normal, fonctionnel. Après, on a l'architectural. De chez Lita, on a aussi l'architectural de chez Vert-Lumière. Nous avons aussi l'architectural d'une partie de chez Selux. Oui, cherchez pas à comprendre, il y a du Selux dans Mazda. Après, voilà, on a l'architectural, et puis après, les petits coffrets, les petits machins, les petits goodies. Hein, les coffrets, vous savez, les petits packs qu'on a à Leclerc, qui a un recache en plastique devant pour les poupoules devant. Voilà, donc là, ce catalogue-là, il fait quand même déjà quasiment 783 pages. Donc on passe quand même une grosse dinguerie quand même. Hein. Et c'est à peine 10 ans. Et vous imaginez, c'est un truc qui est épais maintenant. Hein. C'est un truc épais. Et quand on voit la quantité de production, bon, les projets luxe, machin, en 90, ça n'existait plus. Mais les luminaires, certains luminaires existaient encore. Par contre, le truc, c'est qu'on voit, on va dire, la génération de tarés qui fait. C'est que là, on passe, vous imaginez, le premier des années 50, ça avait 40 pages. On passe à 700 pages pour simplement l'éclairage général. Vraiment le truc. Après, nous avons, donc 10 ans après, le 2001-2002. Vraiment, ça sentait le caca fourré là, avec Philips. Le 2001-2002, donc là, mon préféré aussi. Celui-là, par contre, il est vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a un peu moins de 700 pages. Donc là, c'est vraiment une autre différence. Donc là, réorganisation complète des pages. Donc toujours pareil, hein, donc là, l'intérieur qui est à l'intérieur, donc en premier. Après, nous avons l'industriel qui est en deuxième. Les architecturales en troisième. Après, on a la fibre optique qui est arrivée, une nouvelle chose, fibre optique. J'ai oublié, dans les années 70, il y avait aussi les réglettes Norca, donc aussi un autre achat de Norca. Donc Lita, Norca, Projet Luxe, il y en a plein comme ça. Vert-Lumière aussi. Et après, on a l'extérieur, où il y a une grosse quantité de pages d'extérieur. Prendre les lampes incandescentes, les lampes spéciales, les appareillages, les services. Le tout dans un joli document qui était les gros parce que dans les années 60, 90, c'était que des petits, des années 70 ou 80 aussi. Mais là, c'est des gros, dans le plus gros format. Et donc, du coup, on avait vraiment ce petit machin-là, donc à 700 pages. Mais par contre, à 500 pages, l'avant-dernier catalogue, hein, par contre, il paraît fin. C'est ça qui est dingue, c'est trompeur. Parce que dans les années 2000, on avait une meilleure impression que dans les années 50-60. Mais là, par contre, on a celui-là. Donc là, on y paraît fin. Mais celui-là, maman, il est une dinguerie. Celui-là, je ne sais plus là combien de pages. Ah non, 638 pages. On va dire 640 pages. 640 pages. Et dedans, il y a encore toute la même chose. Mais on va dire répertorié sur à peu près la même chose. Mais par contre, là, on le voit que là, à partir de là, c'est différent. Parce que là, à partir de là, on va dire qu'il n'y a plus la même qualité de l'époque. Hein. Par contre, j'ai mon PC qui s'éteint. Voilà. J'ai la même qualité de l'époque, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Certaines lumières ont disparu, qui sont remplacées par d'autres. Et donc là, par contre, dans les années 2000, vraiment même 2001 ou 2003, 2004, là, il y a l'industrialisation qui a été reprise par Philips.
même déjà dans les années 90, c'était repris par Philips, mais moins. Et là, par contre, dans les années 2000, on a beaucoup de lumière Philips. Et là, par contre, on s'estompe plus dans l'éclairage Philips que Mazda, donc je n'irai pas plus loin. Par contre, on a le catalogue de 92, hein, où je l'avais scanné pendant plusieurs jours. Le 92, il a 820 pages. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais il y a 820 pages, mais des fois, il y a des doublettes ou des machins. Bon, c'est vrai que des fois, dans l'industrialisation, il y a beaucoup de production de lumière dans les années 90. Bon, il y a beaucoup de production, mais il y a aussi beaucoup de rachats, comme Vers Lumière ou Lita ou tout ça. Mais on voit que l'éclairage public, c'est comme les voitures. Vous regardez les voitures à chaque décennie, il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup, le design aussi de la voiture qui change. Et là, vous dites, ah oui, en effet, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, je pense qu'on fera aussi le même système via Holofan, parce que Holofan, c'est un autre système de production, parce que Holofan, c'est que des luminaires, il n'y a pas de lampe. Donc, on pourra voir ça à l'occasion, si ça vous intéresse, hein, de faire ça. Donc, j'ai pris plaisir vraiment à vous raconter l'histoire de chez Philips, de chez Mazda, mais je vous garantis que l'industrialisation, ça a fait beaucoup de choses. Quand on voit que dans les années 50, c'était beaucoup de cloches en sol métal et lampes tombantes ou aussi en incandescente, ainsi que dans les années 60, même des cloches en BF, ça dépend. Dans les années 60, c'était beaucoup de cloches en BF aussi, mais en latéral surtout et en sol métal, donc en normal, comme les années 50. Dans les années 70, beaucoup de lumières carénées, plastique ou alu, et puis réflecteur toujours pareil, avec certaines lanternes des années 60, puis des années 70, des années 50, puis après années 80, donc une modernisation des lumières carénées, qui est plus angulaire, mais plutôt rond, et puis après on voit directement les années 90, l'optimisation des lumières avec une optique plus petite, comme les solaires, on passe à la de la solaire, on passe à, par exemple à la comète, un lumière plus petit, et donc du coup, en fait, on voit la génération de l'industrialisation qui suit avec les designs de l'époque ou de la décennie en question. Et donc du coup, moi, ça fait plaisir de vous avoir raconté ça, parce que c'est une vidéo que ça me prenait, je rêvais de faire ça depuis un moment, et je vous fais plaisir. Donc du coup, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, donc du coup, on est gagnant. Donc du coup, la petite vidéo se touche à sa fin, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et si ça vous plaît, on fera la deuxième vidéo sur Holofan. Et comme de bien entendu, bah... Oh non, faut que je range tous mes catalogues là-dedans. Ah, c'est pas faux.